Bonjour Bob. Ravi de vous retrouver à Marciac. Vous êtes dans le festival off, comme on dit, ou... Voilà, je suis à l'Atelier, qui est un restaurant qui programme du jazz tous les soirs pendant le festival, avec une très belle programmation. Et content d'y amener un trio avec qui je travaille souvent, Karl Janushka à la batterie et Victor Dieberg à la contrebasse. Voilà, on va jouer quelques morceaux d'ailleurs qui seront sur l'album apparaître le 1er septembre. Ah voilà, ben vous avez devancé ma question, comment va s'appeler l'album ? Ça s'appelle Frank Amsalem Sings Volume 2. Et c'est une autoproduction, hein, vous c'est une autoproduction parce que bon, le marché du disque est une déliquescence. Oui, un petit peu, donc, c'est difficile. Voilà, ouais. Donc je suis content, j'ai tout fait moi comme je le voulais. J'ai choisi les gens avec qui je voulais travailler, la prise de son, le studio, les morceaux, voilà. Quel thème vous allez interpréter sur cet album ? Alors, des thèmes pas toujours très connus. Tad Dameron, c'est-à-dire qu'il y a ce grand pianiste arrangeur Tad Dameron, des années bebop. Du Jobim, il y a des thèmes pas très connus comme Never Will I Marry, qui sont des comédies musicales. Voilà, il y a quelques morceaux, deux morceaux en piano solo, Body and Soul, et je ne sais plus lequel d'autre. Ah oui, The Second Time Around. Voilà. Et ensuite, un site peut-être où on peut suivre toute votre actualité de manière générale. www.amsalem.com. Eh ben c'est noté. Merci beaucoup à vous, et puis je crois que vous allez commencer dans 2 minutes, donc on va vous laisser travailler. Et merci. Merci beaucoup, Franck. He'll touch you and watch what happens. Want someone looking around and see into your heart. Let him hold you and